La question, c'est pas de savoir ce que je crois, c'est un fait. Je te dis que si j'étais un parent isolé, mais vous êtes un parent isolé. Oui, mais oui, mais si j'avais des nichons, ils me donneraient deux fois plus de blé. Quand t'es un mec, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Ah ouais, ouais, genre, prouvez-nous que vous cherchez du travail. Mais en invalidité, tu parles. Ah ouais, pourquoi? Une vraie tragédie, j'ai donné toute ma vie pour cette boîte. T'es resté une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un abattoir pour la volaille. Très dangereux comme boulot. Je faisais ce que j'avais à faire sans me méfier. Quand tout à coup, je suis violemment heurté aux côtes par un poulet volant sans tête. J'ai eu de la chance et il a failli me louper. Et à quoi est-ce que j'ai droit pour tous les préjudices subis? À être suivi partout où je vais par une caméra vidéo. Elle est où la confiance, Steve? Elle est où cette union sacrée entre l'employeur et son employé? C'est fini, Steve, ça n'existe plus. Comment un invalide peut travailler avec des gosses de cet âge? Mais bien sûr, ouais. Merci beaucoup, exactement. Excellent, excellent. Et sa mère, alors que Dieu ait son âme, parce qu'elle ferait mieux d'être morte, cette pute. Ferme-la, je déconne pas. Attends, un petit bébé de 4 mois, une gamine de 14 ans, qui venait de se faire opérer de l'appendicite. Lip, il avait 11 ans. Yann, il avait 10 ans. Une gosse de 7 ans. Un petit de 5 ans. Et... Oh et... Un super Astrovan. Couleur bleue. Si, bleu calypso. Quelle est la seule chose dont j'ai besoin? Juste un mot, une seule chose. La stérilisation. La stabilité. De la stabilité. Stabilité. Et tu vois, j'ai... Et, qu'est-ce que j'aurais dû... Oh putain, j'adore ce morceau. You said no string school. Et sérieux, franchement, qu'est-ce que je pouvais faire, Steve? J'avais... Disparaître pendant 3 semaines? J'ai fait une dépression. T'es parti te bourrer la gueule. J'étais dans... Tu m'as fermé, oui, une dépression nerveuse.